C'est sûr, ça fait pas que j'ai pas joué parce que je l'ai coupé avec d'autres choses, mais retomber dedans, ma souscription est encore active. Ouais, mais c'est comme je te dis, le fun jeu est en endgame. Puis là, c'est con à dire, vraiment. À cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont quitté War parce qu'ils disent, ah, ben c'est plate, c'est tout le temps la même affaire. Oui, c'est sûr. Mais c'est le endgame qui est le fun. Ok, là, il va falloir que j'aille là. Ah, je peux aller à l'entrée là. Je vais pogner le téléporteur. Mais ça dépend des goûts, bien sûr. Alors. Moi, j'ai aimé ça. Sérieusement, c'est le fait que tu as tes classes séparées, puis que tu peux les leveler différemment, puis tu peux combiner certains skills. Puis tes jobs avancés, c'est comme des. Ah, ça va sortir avec la prochaine grosse update qui sont supposés rajouter un donjon plus. Il y aura du PVP aussi. Techniquement, moi, le PVP, ça m'intéresse pas plus que ça, hein. Surtout dans les MMO, hein, parce que je suis pas style à jouer, disons, compétitif dans les MMO. C'est dans un shooter, ça me dérange pas, mais MMO, pff, moi, je joue pas ça pour le PVP. Hein. Ah, c'est ça. J'ai entendu dire que le donjon, c'est Crystal Tower ou quelque chose de même, là. En fin de compte, c'est des boss genre d'autres Final Fantasy. Hein. Je pense qu'il avait dit Gilgamesh là-dedans. Oh, voilà. Pas sûr. Hein. Mais je sais qu'il avait dit que c'était des affaires. Puis je sais qu'il y avait un autre boss qui est sorti. Qu'il était familier, mais je m'en souviens pas, ça fait un bout de ça. J'ai pas à checker. Faut pas me prendre au mot à propos de ça. Là. Ah, je peux aller dans Chut, c'est vrai. Là. À ce temps que j'ai ça, je peux aller en haut. Nice. Les façons. Hein. Et voilà. Ok. Comme tantôt, on pourra pas monter là, mais là, on peut faire ça puis monter comme ça. Je me trompe pas, il y a des affaires cachées tout le long. Quelque chose ici. Ça, c'est Gun Gear, je pense. Rogue Spear. Oh, 187. Holy Spear. Et puis là, dans la version DS. Click Balmum. Ouais, c'est sûr, si t'as trop de MMO en même temps. Moi, je m'en tiens à un MMO à la fois. Là. Écoute, techniquement, quand tu regardes ça, mon MMO pour l'instant, c'est. Ouais, j'avoue que c'est beaucoup en même temps ça. J'ai essayé Rift, puis ça m'a pas accroché. Wow, j'ai joué, je pense, c'est 5 mois, je me suis rendu level 52, puis j'ai lâché. Guild Wars 2 est le fun parce qu'il est, genre, techniquement gratuit. Tu l'achètes, puis tu peux jouer tant que tu veux. Terra, par exemple, je l'ai vraiment aimé pour les combats. Là. Le fait que tu peux te battre contre un boss, ou plutôt contre un Elite Mob, puis le toffer n'importe quel, ben, à peu près n'importe quel level, puis c'est basé sur ton skill, ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est genre, tu fais des dodges à faire de même, c'est pour ça que je jouais en Warrior, c'est que c'était un peu de tout en même temps. Là. Yes, gun. Fait des dégâts de mal, mais ça tire la longueur de l'écran. Fait que. Ah, ça se comprend. Wow! J'ai vu quelque chose là. C'était quoi ça? Ok, c'est une torche. Je sais qu'il y a un autre gun aussi plus tard. Pour de vrai, il y a deux autres armes à feu. Hein. Donc... Wow! On va équiper Balmung. Ah oui, Path of Exile, c'est bon ça. Diablo-like. C'est con, mais il y a beaucoup de monde qui disent que Path of Exile serait comme le vrai successeur de Diablo 2, puis je dirais oui. Côté style, Diablo 3, j'ai joué, puis c'est genre, j'ai fait la campagne, puis mais. Mais Path of Exile, là, je vois dedans, là. Le style bleak de Diablo 2 est dedans. Fait que tu te sens pas en tout perdu. Fait que tu sais, c'est un jeu gratuit, mais tellement bien fait dans son style, puis dans l'immersion, carrément, là, que
Ok, là, il va parler sur Steam, il va falloir que je vais y répondre plus tard. J'étais un peu occupé, là. Mais c'est ça. Pat avec Isaac, j'ai vraiment aimé pour ça parce que j'avais l'impression de jouer à Diablo 2, mais comme version améliorée, ou plutôt plus quelque chose qui était supposé être Diablo 3. Ok. Il est fou, là. Ah, c'est ça. Moi, présentement, le jeu que je joue le plus, puis j'ai comme 400 heures et plus dessus, là, Warframe. C'est niaiseux. J'ai du fun à jouer à ce jeu-là, comme c'est pas croyable. Ah, ça fun. Continuant. Ça va le vendre. Ben, le manque vaut 25 000, je vendrai jamais ça. Mais trop fort. Progenus, je vais le vendre parce que je m'en servirai pas. Le Pnacle aussi. Poison Fist. Lock Suit, c'est ce que je porte. Gold Plate, je peux le vendre. Attaque on occasion. Ah, ça, j'ai joué assez longtemps. J'étais un complétionniste. D'habitude, je suis pas un super complétionniste. Mais pour Warframe, je. Oh, je savais pas moi que j'avais ça. Pour Warframe, je le suis, hein. Ouais, puis je vais attendre pour le PS4. J'ai commencé à jouer sur PS4, ça a Warframe. Mais ce que je vais faire, je vais attendre qu'il pousse l'update 11 puis que pas la migration, mais le transfert, le clonage de compte, ça passe. Je transfère mon compte PC sur le PS4 aussi. Le cloner, vraiment. Fait comme ça, je vais avoir. Je vais être quand même rendu assez loin sur les deux. Hein. Ok. Earth Pendant, on s'en fout. La cloak, on va regarder. Locking Mail. Nah. Pas à peine. Planet Side 2, ouais, j'ai joué un bon bout avec la gang de Fragnet. Ouais. Balmung, Ascalon. Ça rien de garder là, cette fois-là, en fin de compte. Leviathan, ça je vais le garder. Scandal, on va la vendre. Pirab aussi. Ok. J'ai joué, c'est vraiment le fun. Sauf que quand le temps que j'ai joué, il était encore en train de mettre à jour les affaires et le mettre à jour pour qu'il soit jouable. Là, parce qu'il y avait plein d'optimisation. Mais autrement, c'était vraiment le fun. Là. C'est comme jouer à Battlefield, mais genre comme persistant puis dans un grand monde. Là, c'est assez ridicule, merci. Là. C'est vraiment le fun pour ça. Surtout que moi j'aime le style Battlefield, genre combat impliqué et teamwork. Ça fait que j'aimais pas, c'est que je jouais les. Pas les terrains République, mais le conglomérate, là. Les conglomérats, comment ceux-là qui sont en bleu, en fin de compte, là. Puis, on a tout le temps l'impression d'être en désavantage. Nos armes ont beaucoup de recul, les affaires de même, pendant que les terrains, c'est genre, ils tirent tellement de balles que tu te fais te faire avoir. Puis les venus, ils ont pas de recoil, fait que c'est genre super précis. Mais ça, c'est des. Nos guns sont supposés faire plus de dégâts, mais c'est, si tu touches pas, tu fais pas de dégâts, t'sais. Ok. Il y a la place là en haut qu'il faut que j'aille. Et c'est celle-là qui me. C'est ça le site que j'ai remarqué dans le milieu de la map. Qui est en grise. Puis il y a l'autre là-bas aussi. Allez compléter eux autres. Fait que ouais, je sais que Planet Side 2 va sortir sur PS4 aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'affaire, c'est qu'il y a tellement de contrôle, tellement d'affaires dans le même. Je me demande comment ils vont faire pour le faire fonctionner. Il n'y aura pas de problème au niveau genre graphique. Ça, j'ai pas de problème à croire que le PS4 va être capable de rouler. Mais comment tu vas faire pour faire fonctionner toutes tes options et toutes tes key bindings sur la manette, t'sais. Il y a toujours des manières de faire, mais on a un bon challenge là-dessus, certain. Là. Ça me semble qu'il y a quelque chose en haut. Non, il peut pas avoir quelque chose en haut. Ouais, ils ont plus d'armure, mais ils ont pas avoir plus d'armure quand tu as des forces aériennes qui débarquent. T'as 50% d'armure, tu le sens pas. Wow.
Ben, il n'y a pas tant de touches, mais c'est juste, étant donné que tu prends quelque chose qui est sorti sur PC, un peu comme Battlefield. C'est Battlefield, ils l'ont pris, au début, tu avais un paquet de touches, un paquet de fonctions, puis ils l'ont simplifié pour la manette, puis ça a comme migré vers la version PC après aussi, là. Mais, c'est que t'as tellement d'affaires dedans, là. On va voir, c'est sûr, et éventuellement, on va voir. Ils sont capables de le faire, ça, j'en doute pas. C'est juste de savoir comment ça va marcher. C'est vraiment le comment, le pourquoi, tout ça. Pas de problème à croire qu'ils vont être capables de le faire. Pourquoi je retourne là? J'arrive d'être là. Au! Le sens que j'ai fait là, c'était assez mauvais. Genre, tout m'a pogné en descendant. Ah, toi, je te tue parce que t'es juste là. Évident. Yo! Hein? Ah! Ah, regarde, ça prenait un level en plus. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont planifier ça. Ouais. Ok. Là, il y a cette salle-là là, que je vais aller voir. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Moi, j'ai pas trop de misère avec une manette sur console. Tu sais, des jeux comme Ghost, ça joue bien. C'est sûr qu'il y a du aim assist, pis que autrement, sans aim assist, ce serait tel que tel, j'aurais un peu de misère, là. Mais tu sais, naviguer avec ça, viser, tout ça, je suis capable de le faire, pas de problème. Ça, je serais pas aussi dédié que ceux-là qui jouent ça à la journée longue là-dessus, pis qui ont, comme une, on pourrait dire, quasiment une carrière de gamer sur console, là. Mais je serais capable de tenir mon bout de pareil. Puis je serais capable de jouer au jeu, ça j'ai pas de problème. Comme je te dis, j'ai hâte de voir comment ils vont arranger ça. Parce qu'il y a beaucoup d'options pareilles. Puis si jamais ça pogne, ça va être épique en crise. Parce que sérieusement, là, le. Planet Side, là, c'est un peu justement comme Warframe, c'est un jeu qui finit pas. T'sais. Warframe, tu vas jouer longtemps, tu vas arriver à un cap à un moment donné, quand t'as tout débloqué. C'est la même chose pour Planet Side. La vitesse que ça va te prendre pour tout débloquer, là, ça va être vraiment assez long. Bon, c'est ça en haut. Ok, moi, c'est la place que je pouvais pas monter avant. Pas du monde stock 7 normalement. Ça m'amène où ça? Si ça m'amène dessus à la montée finale. Ah ouais, c'est ça. On peut sortir à gauche. Ouais. Ça, ça m'amène vers la finale. Je vais pas aller là dessus parce que j'ai une zone à gauche à aller visiter avant. J'ai toujours rire que les witch quand t'es tu, le chat qui pitch, peuvent te faire des dégâts. Genre un point là. Dans ta face. Ah, il y a quelque chose ici que je peux aller voir. On va aller voir ça tout de suite. Potion en bas. Ah, on va faire des topos. Je pense que c'est eux autres qui me le faut. Je pense que c'est Curly qu'il me faut pour pouvoir dasher. Je vais essayer de pogner son saut d'ailleurs. Comme Kremlin.